J'ai jamais été motivé par l'argent. J'étais un joueur de football professionnel qui allait en vélo à sa pratique. Le Québécois Mehdi Abdesmad a réalisé son rêve de jouer dans la NFL avec deux grandes équipes, au Tennessee et à Tampa Bay, tout en gardant les deux pieds sur terre. Mes parents, ça a été un modèle pour moi. Mes parents qui viennent de la Tunisie, mon père qui est venu à l'âge de 16 ans juste avec une valise, qui dormait dans les mosquées durant des années, juste pour justement donner un futur à ses enfants. J'ai joué contre les Chiefs, ils ont le stade le plus bruyant dans le monde. En plus de ça, j'ai joué contre un autre Québécois, Laurent. Donc, c'était quelque chose de spécial quand même de se dire ton premier match dans la NFL, c'est contre un autre Québécois. En 2018, Mehdi décide qu'il voulait passer à autre chose. Il a ouvert une école et il est également conseiller pour les programmes de football scolaire. Les gars, je vous présente Mehdi Abdesmad. Alors, bienvenue Mehdi. Il veut surtout redonner aux jeunes, car il se souvient comment les loups de l'école Curé-Antoine Labelle l'ont aidé dans un moment difficile de sa vie. Je me rappelle comme que c'était hier quand que coach Martin m'avait pris dans la cafétéria et qu'on a parlé de la mort de mon père. Puis ça, ça a été des mentors pour moi durant toute ma vie. C'est la raison pourquoi que je suis de retour, parce que c'est très important pour moi de faire la même chose que ce qu'eux ont fait pour moi. Je me rappelle une phrase que je lui ai dit à ce moment-là, c'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui détermine ta vie, ça va être qu'est-ce que tu vas faire avec. Puis j'ai dit, c'est dur, mais j'ai dit, Mehdi, célèbre les bons moments que tu as eus avec ton père, garde ça en dedans de toi, puis maintenant, utilise ça pour être plus fort. Jump ball à droite, jump ball à droite. Ball! Let's go, fais le jeu! Ah! Maintenant, qu'est-ce qui me rend le plus heureux? C'est pas de faire un sac sur le terrain de football, mais c'est quand un jeune me texte à minuit puis qu'il a besoin d'aide, bien que je suis là pour lui puis que dans les semaines qui suivent, il règle le problème. C'est qui le carrière? Ah, vas-y, big guy, man, let's go! Certains définissent une meute de loups comme un groupe s'unissant pour protéger chaque membre. Et c'est pour ça que Mehdi est toujours un loup. Robert Frozier, Radio-Canada, Laval.